Donc aujourd'hui, dernier samedi du mois de mars, c'est la journée de pratique à Paris. Et je vais partir parce que ça va commencer bientôt. Mais je vais vous laisser avec une vidéo que j'ai reprise, qui avait été enregistrée il y a 2 ans, je crois, et qui s'appelle Faire cesser le feu. Vous savez sans doute que le 8 avril, c'est-à-dire très bientôt, au Japon, c'est Hanamatsuri, le jour de la fête des fleurs et de la naissance du Bouddha. Faire cesser le feu, ça signifie que les enseignements du Bouddha ne consistent pas à prendre les armes contre nous-mêmes, contre tout ce que nous n'aimons pas en nous-mêmes, mais au contraire, entrer dans ce qui s'appelle la paix sans armes, déposer les armes, ne plus se faire la guerre à soi-même. Donc c'est un partage que je trouve important parce qu'on peut se tromper sur l'approche dans notre pratique. Et cette approche de Zazen, à travers la paix infinie, comme le temple de Maître Dogen, à travers la paix infinie s'appelle capturer le Bouddha vivant. Voilà, donc maintenant Zazen, partage, chant. Et pendant ce temps-là, mais moi je vais aller faire Zazen aussi. Merci beaucoup et très bon week-end.
Grand et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Bonjour. Alors hier soir, j'ai parlé de ce 8 avril qui est le jour de la fête des fleurs, de la fête de la naissance du Bouddha. Et voici comment le raconte Maître Dogen. Le bébé Bouddha dit « Dans le ciel au-dessus, sur la terre au-dessous, moi seul suis l'honoré du monde. » Vous savez, j'ai dit qu'on place dans les temples, dans beaucoup d'endroits, des petites statuettes de Bouddha montrant le ciel et la terre. Et donc, ce qu'il a dit, dans le ciel au-dessus, sur la terre au-dessous, moi seul suis l'honoré du monde. Maître Dogen poursuit. Dans le ciel au-dessus, sur la terre au-dessous, cet endroit précis est le lieu où demeure la paix infinie. Il parle bien sûr de son temple, et Heiji, ça veut dire le temple de la paix infinie, mais aussi cet endroit précis de la paix infinie, à chaque instant, c'est exactement l'endroit où nous nous trouvons. Alors, en fait, c'est un petit peu fouillis ce matin parce qu'en préparant cette rencontre, je lisais plusieurs textes et j'étais attirée à chaque fois par les textes dans lesquels il y avait le mot « paix ». Et j'ai trouvé ce terme « paix infinie » et un autre terme « la paix sans armes ». Bien sûr, malheureusement, je sais bien que moi, je ne peux pas, vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas faire la paix au sens concret dans le monde. Néanmoins, cette paix infinie, ça me parle, ça me touche, parce que cette paix infinie, c'est cette paix qui nous apporte le bonheur, qui nous apporte la joie. Et on peut pas laisser la souffrance, laisser le malheur, laisser la violence. Envahir le monde, nous avons quelque chose à faire nous aussi, et c'est très important. Et je ne parle pas d'un bonheur ou d'une paix qui soit petit, qui soit quelque chose comme je ferme tout et moi, moi c'est moi, ça va, merci, le reste du monde. Non, pas du tout, au contraire, je parle de quelque chose qui s'étend, je parle de quelque chose qui emplit le monde. À un certain niveau, je dirais que c'est un petit peu quand on entend dans les pays en guerre des chanteurs qui continuent à chanter, des salons de beauté qui continuent à couper les cheveux ou à donner des soins de beauté. Voilà, il y a quelque chose d'une forme de dire, eh bien, non, on ne peut pas laisser les choses être comme ça. Et je pense que nous, en tant que pratiquants du bouddhisme, en tant que pratiquants de la voie du Bouddha, nous avons à faire advenir justement une paix infinie déjà en nous-mêmes. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié
cette expression qui est la paix sans armes, parce que nous avons toujours l'impression que la paix, elle vient à la suite d'un long combat et enfin il y a la paix. Ok, ça va devenir, c'est vraiment un petit peu fouillé ce matin. Je vais essayer de suivre mon papier parce que sinon je vais partir dans tous les sens. Néanmoins, ce que je voudrais poser déjà au départ, c'est que ce n'est pas rien, ce n'est pas s'enfermer de dire ben voilà, moi je suis spirituelle et le reste du monde, pas du tout. C'est de toute importance, c'est de première importance justement dans la situation où nous vivons que nous puissions comprendre ce qu'est la paix infinie et qu'elle est réalisable. Et pour nous, pratiquant la voie du Bouddha, la naissance du Bouddha, la venue du Bouddha dans ce monde, c'est justement la réalisation, la potentialité, l'existence de la paix infinie. Donc maintenant, je passe à mon texte. Le maître Zen Daichi, 14e siècle, a écrit un verset intitulé « La naissance du Bouddha ». Dans le Jambudvipa, il y a 84 000 châteaux. Sans utiliser d'armes, telles que des épées et des boucliers, une grande paix est créée. Nous capturons Gautama, le Bouddha, voleur au grand jour, vivant. Nous ne prenons pas la peine de lui donner un coup de bâton, comme l'a dit un jour un autre maître. Alors, je mélange les commentaires de Fujita Roshi, qui est un maître contemporain japonais, et puis les miens, et voilà, je mélange tout. Et sur le blog, vous verrez, c'est séparé. Donc, dans le Jambudvipa, il y a 84 000 châteaux. Jambudvipa, c'est le nom d'une terre humaine aussi, d'un monde humain mythique dans la cosmologie indienne. 84 000 châteaux. Il est dit que nous avons en nous-mêmes 84 000 désirs. Ça veut dire ces désirs incessants, qui nous brûlent et qui apportent la souffrance, la nôtre et celle des autres. Donc, ces désirs qui sont comme des châteaux, nous avons tendance à penser… Surtout d'une certaine façon, quand nous commençons la pratique, nous avons tendance à penser qu'il faut que ces châteaux, nous puissions les détruire, nous puissions les écraser, que nous puissions faire disparaître tous ces désirs et qu'alors la grande paix arriverait. On le voit bien en zazen. Quand on est assis en zazen, on a souvent tendance à… Bon, d'abord, on n'aime pas ce qui va arriver. On n'aime pas justement voir apparaître des souvenirs, des actions, des choses comme ça. On voudrait vraiment les effacer, les arracher de nous-mêmes. On n'aime pas avoir nos mauvais côtés. On voudrait vraiment les faire disparaître pour qu'il n'y ait plus que ce que nous imaginons qui serait la fin de toute cette souffrance et enfin la paix. Mais ce n'est pas du tout ça. Parce que lorsque nous nous battons avec nous-mêmes, comme ça, et on le voit vraiment bien pendant Zazen, quand nous nous battons avec nous-mêmes, nous ne faisons que renforcer cette souffrance, la nôtre, et bien sûr après, elle passe vers l'extérieur. Donc je continue. Le Bouddha est né dans un monde humain afin de nous enseigner que nous n'avons pas besoin de détruire nos châteaux, nous n'avons pas besoin de chercher une paix à travers la destruction, à travers enlever quelque chose, à travers raser quelque chose, à travers les armes. Le Bouddha nous a montré la manière de vivre en paix sans avoir recours à la bataille contre les châteaux des désirs terrestres. Il n'a jamais enseigné comment inventer et utiliser des armes pour les détruire. La paix véritable n'est pas possible tant que nous nous appuyons sur les armes. Parce que nous avons cette possibilité, on va transformer en armes contre nous-mêmes tout. Même la pratique, même la méditation, on va ressortir d'une méditation où on se sera battu avec nous-mêmes. Et par exemple, on va regarder les préceptes, on va regarder les paramitas, et puis on va essayer d'enlever tout ce qui ne correspond pas à ça en nous-mêmes. Donc, vouloir couper une partie de nous-mêmes mène à un combat intérieur qui rejaillira tôt ou tard sur l'extérieur. Accepter de juger et de condamner sans cesse ces parties de nous-mêmes qui créent la souffrance, et bien sûr, celles qui sont convoient chez les autres, ça ne fait que renforcer le combat à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Le Bouddha enseigne à abandonner ce combat sans issue, à ouvrir les mains, à nous asseoir et à laisser la paix s'installer en nous, ses zazen. Et puis on se lève. Aller dans le quotidien, plutôt que de reprendre ce combat quand on se voit en train de faire des choses dont on sait qu'on ne devrait pas les faire, qu'on ne devrait pas les dire, que pas pour une idée morale abstraite, mais simplement parce que ça va créer de la souffrance en nous-mêmes et dans les autres. Donc, dans le quotidien, au lieu de reprendre le combat, ce que nous faisons, ce que nous
poumons faire, vraiment. C'est au contraire renforcer ce qui est juste, renforcer ce qui est paix. Très concrètement, par exemple, renforcer la parole juste, la parole sincère, la parole aimante, renforcer notre générosité, accroître notre gratitude. Tout ça sont des antidotes, en quelque sorte, aux actions négatives qui sont appuyées sur la colère, sur l'avidité, sur tout ce qu'on sait. Et donc, on arrête de se battre contre une partie de nous-mêmes, mais au contraire, on développe d'autres parties de nous-mêmes. On a déjà parlé de ça, d'ailleurs. Parce que pour moi, ça, c'est vraiment très important. C'est un turning point, comme ça. C'est un moment énorme quand on se rend compte de ça et qu'on peut arroser, donc, pour reprendre une métaphore classique, qu'on peut arroser des bonnes graines au lieu d'essayer de déraciner le chien-dent. Parce que les bonnes graines vont grandir et le chien-dent, à ce moment-là, va se faner et disparaître. Donc, ça, c'est dans le quotidien. Mais en zazen, lorsqu'on est en zazen, l'idée de ce qui est bon et de ce qui est mauvais disparaît. On ne peut pas le faire, de classifier, de trier ses pensées. Ça, c'est une bonne pensée pour zazen, ça, c'est une mauvaise pensée, ça, c'est etc. Mais on va laisser disparaître cette classification bon et mauvais et on va juste laisser apparaître l'espace, la lumière et la paix. Le maître zen chinois a un jour reproché au Bouddha de nous avoir trompés comme un voleur rusé en parlant de l'illusion et de l'illumination comme si elles existaient séparément. Ça, c'est encore dire ça c'est bon et ça c'est mauvais. Mais en fait, nous avons commencé donc par cette incompréhension que illusion et illumination sont séparées, nous avons commencé à faire une sorte de guerre spirituelle contre l'illusion au nom de l'illumination. Mais en fait, nous n'en avons pas besoin parce que c'était simplement une sorte de ruse du Bouddha pour que nous mettions toute notre énergie vers cette paix infinie. Le maître Daichi dit que si nous pouvons capturer le Bouddha vivant, alors une grande paix est créée. Il n'y a plus rien à rejeter, ni à défaire, ni à détruire, ni à déconstruire. Comment est-il possible, continue Fujita Roshi, comment est-il possible de créer une grande paix sans utiliser d'armes? Comment pouvons-nous capturer le Bouddha vivant? Moi, ça me touche beaucoup cette expression. Une grande paix sans utiliser d'armes. Une grande paix qui ne serait pas le résultat d'un combat, qui ne dirait pas « j'ai gagné » parce que à la fin, le gagnant serait aussi épuisé, aussi meurtri, aussi blessé que le perdant. C'est une grande paix sans armes. Comment pouvons-nous capturer le Bouddha vivant? Non pas une idée du Bouddha, non pas… avoir compris le Bouddha à travers nos propres formes de pensée, mais le Bouddha complet, le Bouddha lumineux, le Bouddha espace, le Bouddha vivant. La réponse est de s'asseoir en zazen, shikantaza. En zazen, nous ne luttons pas contre ce qui nous arrive, nous n'appliquons aucune méthode, aucune technique comme une arme pour gagner le combat. Au lieu de cela, nous acceptons simplement et nous lâchons naturellement prise. Zazen consiste à faire cesser le feu et à créer une paix profonde en soi et dans le monde. Alors, arrivé là, quand j'en ai parlé à plusieurs personnes, arrivé là, les gens se tournent vers moi et disent « Oui, mais comment faire la paix avec soi-même ? » En fait, il n'y a pas de réponse à cette question parce qu'il n'y a jamais de réponse à un « comment ». Il y a à le faire. Il y a à s'y jeter en quelque sorte. Il y a à lâcher nos questions. Ça, c'est parce que les questions peuvent faire un très, très bel écran pour éviter de faire quelque chose. Donc, il y a à lâcher nos questions. Il y a à laisser disparaître ce sol sous nos pieds sur lequel on croit trouver une stabilité, une sécurité. Il n'y a rien gardé de nos constructions mentales habituelles. Il n'y a rien à quoi se raccrocher. Et quand on s'assoit là, lorsqu'il n'y a plus rien à maintenir, alors on ne s'approprie plus rien. Alors cette grande paix est réalisée. Fujita Roshi termine en disant « Pendant Zazen, le Bouddha assis s'actualise de manière vivante avec tout notre corps-esprit. En ce sens, un nouveau Bouddha naît à chaque instant. C'est ainsi que nous capturons le Bouddha vivant. »
Oui, ça me semble essentiel, ça me semble de toute importance en ce moment de faire naître, de faire apparaître un nouveau Bouddha à chaque instant, de capturer le Bouddha vivant, c'est-à-dire toute la lumière, tout l'espace, et de vraiment pas laisser l'obscurité s'installer dans ce monde. Et nous pouvons aussi capturer le Bouddha vivant à travers les gassos, à travers les prosternations. On se prosterne toujours devant un Bouddha vivant. On salue toujours un Bouddha vivant. Je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans la Sangha. Je prends refuge dans le Bouddha, le plus grand des maîtres. Je prends refuge dans le Dharma, l'enseignement suprême. Je prends refuge dans la Sangha, le lieu de l'harmonie. J'ai pris refuge dans le Bouddha, j'ai pris refuge dans le Dharma, j'ai pris refuge dans la Sangha. Aussi innombrables que soient les êtres vivants, je fais vœu de les sauver tous. Aussi insatiables que soient les désirs, je fais vœu de les éteindre tous. Aussi profonds que soient les enseignements du Dharma, je fais vœu de les étudier tous. La voie du Bouddha est sans fin, je fais vœu de la suivre. Et le vœu de Shantideva, le vœu de faire naître le Bouddha vivant. Tant que demeurera l'espace, tant que demeureront les êtres vivants, puissé-je moi aussi demeurer pour soulager les malheurs du monde. Et tous les Bouddhas vivants que sont nos maîtres, que sont tous ceux qui ont transmis le Dharma, qui nous ont guidés, qui nous guident sur la voie du Bouddha. Kisawaroshi-sama, Minpo Iyam Daiwasho, Niwazenji-sama, Zuigaku Renpo Daiwasho, Noiriroshi-sama, Hakusan Kojun Daiwasho, Moriyama-roshi-sama, Horin Daigyo Daiwasho, Horin Daigyo Daiwasho, Horin Daigyo Daiwasho.
Et celui qui nous montre, et tous ces bodhisattvas qui nous montrent la paix sans armes, Jizo-sama, Om Kaka Kabisanma Esuaka, Om Makakelaya Esuaka, Jizo-sama, Wayugozaimas. À tous, je souhaite un week-end dans cette paix infinie, un week-end dans la paix sans armes. Merci.